confiance vaut mieux que le sacrifice. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue encore une fois dans votre émission, le plateau des plus jeunes. Obéir aux parents selon le Seigneur, que comprendre? C'est le thème sur lequel nous allons échanger aujourd'hui. Alors, nous sommes avec monsieur Palais Coco. Monsieur Palais, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais bien. Et la famille? Je vais bien. Et nous sommes également avec madame Essinam Ekwe. Bonsoir, madame. Bonsoir, Tata Kezia. Comment ça va? Ça va bien. Je chez vous? Travail. On remercie. On vous embrasse. Merci d'avoir accepté beaucoup notre invitation. Merci. Alors, le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est obéir aux parents selon le Seigneur. Monsieur Palais, dites-nous, c'est quoi l'obéissance? Merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Oui. Je tiens à saluer aussi tous nos téléspectateurs et nos téléspectatrices qui nous suivent à ce moment. Et la grâce nous est faite d'être sur ce plateau télé pour partager un temps un peu ce que nous connaissons de ce thème. Alors, obéir aux parents selon le Seigneur, c'était ça le thème. Moi, en tant qu'enfant, j'écoute obéir aux parents. C'est le livre d'Éphésiens qui nous dit, hein, Éphésiens 6, le verset 1, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » C'est ça. Alors, quand on me dit ça, moi, en tant qu'enfant, qu'est-ce que je dois comprendre en tant que jeune? Allez-y. Merci beaucoup pour cette question. Et effectivement, si nous prenons les Saintes Écritures selon le livre d'Éphésiens, chapitre 6, il est écrit que « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » C'est très important, raison pour laquelle le Seigneur, c'est un ordre donné. On ne doit pas discuter là-dessus. Donc, si un enfant, quand tu lis le verset 3, même, il y a une conséquence positive qui suit le pourquoi il faut respecter ou bien il faut obéir ses parents. Alors, bien avant d'arriver là, quand on parle d'obéissance, tout simplement, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Ok. Et obéir, c'est se soumettre. Obéir, c'est suivre les ordonnances ou bien les ordres que donne un supérieur. Donc maintenant, nous sommes dans un cadre beaucoup plus spécifique qu'est nos parents. Alors nos parents, tout ce que nos parents nous disent, nous sommes censés suivre cela parce qu'ils savent ce qui est bon pour nous. C'est pourquoi ils nous donnent tous ces genres de conseils. Merci. Merci beaucoup. Madame Ekwe, dites-nous, quand vous dites à votre enfant ou bien quand vous dites à un jeune, obéis à ton parent, ou bien obéissez à vos parents. Vous attendez quoi de lui, au fait? Vous mettez quoi dans obéissance? Merci beaucoup, Tata Kezia. Et je profite également pour saluer les spectateurs. Bien évidemment. Et je dis merci aussi à Dieu. C'est un thème tellement bon qui va nous aider, nous, les enfants, les petits. Et à partir de cette émission, je pense que les idées vont changer. Et quand on dit à un enfant d'être obéissant, on lui demande seulement de se soumettre à la volonté, aux ordres, aux recommandations, aux préceptes d'un supérieur, d'une autorité, d'une force, d'une hiérarchie, de quelqu'un qui a la force plus que lui. Et moi, j'ajoute, c'est aussi de respecter, d'avoir la considération et la crainte de tout pour celui qui te donne de l'ordre. La crainte. Ça aide à l'obéissance. Donc, si on demande à un enfant d'obéir, on lui dit seulement de respecter les ordonnances de quelqu'un qui est plus supérieur. Et ici, ce sont ses parents, ses tuteurs. Merci. Alors, merci, Monsieur Palais. Comment montrer son obéissance? Merci beaucoup. Comment montrer son obéissance? Et je vais juste dire que montrer son obéissance, c'est quelque chose qui n'est pas inné, au fait. Ah bon? On ne peut pas, du jour au lendemain, devenir obéissant. Être obéissant, c'est une attitude. C'est un mode de vie que l'enfant a commencé à comprendre ou à mettre en pratique tous les conseils que ses parents le produisent tous les jours que le bon Dieu fait. C'est ce qui fera que ce comportement qu'il a toujours pratiqué envers ses parents, il va le refléter même en société. Donc tout ceci pourra se manifester dans nos actes, dans nos comportements. Donc on ne peut pas se lever un jour et dire que bon, je suis obéissant. Bon,
verbalement comme ça, mais dans les actes, cela ne se reflète pas. Donc, montrer son, l'obéissance, c'est dans les actes, dans les comportements, dans ce qu'on dit, il faut le mettre en pratique. Merci. Madame Sénat, la Bible a dit ici, enfants, obéissez à vos parents. Et est-ce que ça veut dire que quand je ne suis plus enfant, je n'ai plus le devoir d'être obéissant? Parce que la Bible a dit enfant. Déjà, bon, si nous voulons situer la tranche, là, on peut dire c'est de 0 à 17 ans. Oui. Est-ce à dire que quand je deviens jeune, eh bien, quand je me marie, quand j'ai des enfants, je ne peux plus obéir à mes parents? Dites-nous. Merci beaucoup. Enfant, obéissez à vos parents. Je suis aussi enfant de quelqu'un. Ah bon? Toi, si tu es enfant de quelqu'un, non? Mais c'est pas aussi enfant de quelqu'un. Et, toutes les créatures ont des parents ou bien des responsables. Mmh. Et nous tous, nous avons un père qui est au ciel, qui est le grand Dieu. Oui. Donc, enfant, obéissez à vous. Parce que ce n'est pas que j'ai 18 ans, maintenant je peux voter, j'ai mes droits civiques, je suis responsable, j'ai des diplômes, déjà j'ai mon bac, BTS, j'en ai terminé, donc je ne suis plus enfant. Aussi longtemps que tu vis sur le toit d'un responsable, ou bien tu dépends de la personne, tu dois lui obéir. Que tu sois grand ou pas, tu dois obéir à celui qui est ton supérieur. Merci beaucoup. Monsieur Palais, la Bible a dit, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Il y a ça, selon le Seigneur. Quand on vous dit ça, qu'est-ce que vous comprenez de cette phrase? Et merci beaucoup. Selon le Seigneur, je voudrais simplement dire que nous sommes dans un cadre chrétien. Mm-hmm. Et la parole s'adresse à nous les chrétiens. Okay. Et nous avons pour imitateur ou bien pour référence le Seigneur Jésus. Oui. Alors, raison pour laquelle c'est situé selon le Seigneur. Le Seigneur lui-même, il a été obéissant. C'est pourquoi il nous donne ce conseil d'être obéissant. Parce qu'en étant obéissant, c'est ce qui a fait de lui le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, et qui est assis à la droite du Père. Et il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom, et au nom duquel tous genoux fléchissent et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Donc, selon le Seigneur, tout simplement, ça veut dire que nous sommes dans un cadre chrétien et nous devons... Ça doit se faire à l'image du Christ, c'est ça? Évidemment. Madame Messinam, est-ce que vous êtes d'accord, selon le Seigneur? Oui, parfaitement d'accord. Parfaitement d'accord. Parce que quand on dit, selon le Seigneur, celui qui n'est pas dans le Seigneur, je doute fort que quand l'enfant obéit à tous ses recommandations, l'enfant finit par avoir de problèmes. Mais celui qui est dans le Seigneur, c'est selon les recommandations de Dieu, selon la volonté de Dieu, les vouloirs de Dieu, selon le désir de Dieu que ce parent-là va agir. Donc tout d'abord, le parent même va suivre les recommandations de Dieu, ce qui fait que tout ce qu'il va donner, demander à son enfant, c'est par rapport à la parole de Dieu, c'est par rapport à la Bible. Donc je vois que c'est ça. Ok. Ce que vous venez de dire... Oui. J'aimerais demander, est-ce à dire que quand je suis enfant, bien quand je suis jeune, je suis toujours sous la responsabilité de mes parents qui ne sont pas chrétiens. Alors, dès que je reçois Christ, est-ce que ça veut dire que je ne dois plus obéir à mes parents parce qu'ils ne sont pas chrétiens? Maintenant, je connais la Bible, je connais les préceptes. Donc, mes parents ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas capables de me donner des conseils. Est-ce que c'est ça? Je dis tout à l'heure, non. Ok. Tes parents peuvent te donner des conseils quand je deviens chrétien, mais à des limites près. Ok. Parce qu'un parent qui n'est pas chrétien peut demander à son enfant d'aller adorer le Dieu qu'il adore. Oui. De faire des sacrifices là-bas. Mm-hmm. Et c'est contre la croyance de son enfant. Donc, dans ce cas-là, l'enfant ne veut pas obéir. C'est pourquoi on a dit selon le Seigneur. C'est dans le Seigneur. C'est-à-dire selon la voix du Seigneur, selon les 10 commandements. Si je peux donner une précision. Tout ce que Dieu a dit dans Exode 20, là, c'est une ordonnance pour nous. C'est comme si on va à l'hôpital, on achète les médicaments. Mm-hmm. Il y a les ordonnances dessus. Mm-hmm. C'est l'ordonnance que Dieu a écrite
pour l'homme là, c'est ça qui se trouve dans la Bible. Donne-moi la Bible là. C'est ça. Oui. C'est ça. Oui. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est ça qui se trouve ici. Dès qu'un parent est hors ici, ne vit, sa vie n'est pas conforme, mais il insiste à ce que son enfant soit obéissant de A jusqu'à Z, ça veut dire que l'enfant même court un risque déjà. Il y a certains points. Par exemple, les parents ne sont pas chrétiens, mais il y a des ordres. Ne vole pas. Oui. Nos parents connaissent. Ne tue pas. Oui. Aucun parent n'est d'accord avec ça. Oui. Qui va accepter que son. Il enseigne en son âme. Obéis, il faut tuer. Après, on va te tuer toi-même. Donc, si même les parents ne sont pas des chrétiens, il y a des certains niveaux que l'enfant doit être obéissant, mais à des niveaux près, l'enfant ne peut pas être obéissant. Si réellement, il est né de nouveau. Alors, votre exemple m'a rappelé quelque chose. Oui. L'histoire d'un jeune homme. Avant lui, il y avait son frère et sa sœur qui sont des jumeaux. Oui. Et après lui, il est venu. Donc, les deux premiers se sont convertis et on est allés tous à l'église. Or que le papa était féticheur. Uh-huh. Donc, les deux premiers ont refusé de manger. Les choses quand on tue le poulet, tout ça, le papa n'a rien dit. Puisqu'il y avait, on dit souvent Edo, puisqu'il y avait le suivant, lui il était toujours là. Et puis un jour, il décide de se convertir. Et il va à l'église, il revient, son père tue le poulet. Le gars rentre, il ne prépare pas, parce que normalement, quand tu es là, tu dois préparer, il dit, mais tout ça là, il n'y a pas préparé. Le père dit, oh, prépare, là, il dit non, qu'il ne peut plus préparer. Si elle avait vu le jour là, elle m'a dit qu'il va le tuer. C'est pas possible. Comment maintenant lui va faire comment bien il s'attend à ce que quand il va rentrer là, lui va venir préparer pour lui. C'était vraiment une bagarre. Mais malheureusement, sur le coup, le garçon n'a pas tenu. Quand il a pris une fois, deux fois le coup, il a encore retourné. Et c'est par après quand il est un peu, le papa, entre temps, a un peu déménagé, c'est après ça qu'il a repris un peu l'adoration. C'est ça. Donc voilà un exemple. Alors, cette recommandation, est-ce que ce n'est pas un message à l'endroit des parents pour qu'ils prennent garde aux conseils qu'ils donnent à leurs enfants? Parce que la Bible a dit selon le Seigneur. Très bien. Est-ce que ce n'est pas. Une mise en garde ou bien une façon de demander aux parents de toujours se référer à la Bible avant de donner des conseils à leur enfant. Dites-nous. Je dirais oui. Et c'est une mise en garde parce que là où nous sommes aujourd'hui, je vous dis et je vous le répète encore, le monde même a besoin des enfants disciplinés. Mmh. Des enfants obéissants, les enfants qu'on voit le caractère chrétien en eux, c'est-à-dire le caractère de Jésus-Christ même. Le monde en a besoin. Donc un parent qui est loin de Dieu ne peut jamais conduire son enfant jusqu'à ce niveau. Je dis non. Donc c'est le moment que chaque parent retourne à Dieu. Accepte Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Parce qu'à ce seul prix, il peut éduquer, enseigner, conseiller ses enfants selon le Seigneur, selon la voie de Dieu. Donc, c'est la sonnette que nous sommes en train de faire cet après-midi pour tous les parents qui nous suivent à l'instant même. Merci, Monsieur Palais. Considérons que vous êtes devant une situation où vos parents vous demandent de faire quelque chose que la Bible interdit. Comment allez-vous réagir? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez dire non, 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 la Bible me l'interdit, je ne peux pas le faire? Oui, comment est-ce que vous allez procéder? Merci beaucoup. C'est une très belle question. Oui. J'ai l'habitude de dire que nous, les jeunes, à un moment donné, nous avons un sang chaud. C'est vrai. Oui. Et devant ces situations, on a tendance à mettre devant le sang chaud là pour résoudre le problème. Ce n'est pas ça. Même si le monde le fait, nous chrétiens, on ne doit pas le faire. Supposons que mes parents ne connaissent pas Christ et ils m'imposent certaines pratiques qui vont à l'encontre de la connaissance de la parole. Ce n'est pas le moment d'être
rebelles ou bien d'être violent envers eux. Au-delà de tout, je suis un enfant de lumière. Donc, je dois leur faire de telle sorte qu'ils comprennent ma vocation. Quels sont les principes qui me régissent en tant que chrétien? Et quand je vais leur expliquer comme ça, je crois que par l'aide du Seigneur, un jour, ils finiront par me suivre. Que d'adopter un comportement de rébellion ou bien un comportement de violence, et comme ça, ça va devenir des mésententes, ils ne vont jamais me comprendre. Donc, devant des situations comme ça, mes frères et sœurs qui me suivent à l'instant T, je demande d'être, de prendre notre patience en mal et notre mal en patience, et que nous expliquions qu'est-ce qui nous régit en tant que chrétiens, quelles sont nos valeurs, ce que nos parents nous demandent. Peut-être c'est par méconnaissance, eux aussi, ils le font. Mais quand nous prenons notre responsabilité en tant qu'enfants de Dieu, obéissant et leur expliquer, ils vont nous comprendre et très bientôt, ils nous en battront le pas. Alors, oui, madame, que vous je voulais ajouter et je voulais dire que à tous ces enfants aussi, il faudrait que à la conversion, leur caractère, leur manière de faire change à la lumière de la parole de Dieu. Ah, vous avez volé ma question. Oui. Parce que quand je suis avec mes parents et nous sommes tous des païens, nous avons une autre religion en dehors de la religion chrétienne. Oui. Et par la grâce de Dieu, Jésus-Christ m'a raconté et moi j'ai compris et j'ai changé. Il faudrait que ma vie même, de chaque jour, mes comportements, le fait que je suis humble même à la maison, ça va les interpeller. Et quand ils vont me dire, fais ceci, il faut toujours obéir. À un moment donné, il y aura, entre papa ou maman, l'un d'entre eux vont dire, ah, l'enfant a choisi. J'ai écouté une histoire d'un musulman qui s'est converti, un Ivoirien. Il disait que ça n'a pas été facile dans sa maison. Mais sa maman, c'est sa maman qui a dit finalement à son papa de le laisser. C'est son chemin. Parce que sa vie de prière, sa vie de consécration, il n'est pas jaune, blanc à la fois, noir, rouge à la fois. Sa décision a été ferme. Et partout, il a fait, tout le monde le voit comme ça. Et vous n'allez pas l'accuser la nuit ou bien au jour que tu as ceci. Non. Il a prouvé aux yeux de tout le monde que c'est la voie qu'il a décidé de suivre. Et sa maman a dit, ah, c'est ce qu'il a décidé de... Laissons-le. Et c'est ce qu'il a fait jusqu'à devenir un pasteur évangéliste aujourd'hui. Vous voyez. Donc, c'est à nous, les enfants. Si nous sommes avec Christ, nous avons une vie régénérée, transformée, même si nos papas sont des grands tueurs, ils vont nous comprendre. Avec nos genoux, la prière, ils vont nous comprendre. Oui, je voulais, vous avez toujours la parole, Madame Ekwe. Oui. Je voulais vous retourner la question. Oui. Un enfant qui est devant une situation où ses parents l'obligent de faire quelque chose qui n'est pas biblique, que la vie chrétienne n'accepte pas. Quel doit être son comportement? C'est blanc. C'est blanc aujourd'hui. Toi là, avec le gros monsieur là, il faut sortir, on a besoin de l'argent. Ah. Allez-y avec lui. C'est pour manger seulement, non? On en a plein. Oui. Beaucoup même. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Quand on nous a appelés du dehors vers Christ, là, c'est toute une vie. Ce n'est pas en parole seulement. Acceptons que Christ nous transforme et nous manie à sa manière. Oui. Je suis jeune. J'ai toutes les opportunités, les atouts. Je suis belle. J'ai tous mes diplômes. Voilà. Mes parents, je dois trouver un travail. Vu l'allure où vont les choses à Lomé, je dois trouver un travail. Mais le directeur me dit, il va coucher avec moi. Je suis venue à la maison, dis ça à ma maman. On m'a dit, ça, tu ne vois pas qu'il a des lots partout à Lomé. Il est même ministre d'État. Toi, tu refuses pourquoi? Il faut aller accepter. Cette jeune fille-là, si vraiment elle est née de nouveau, doit prier et demander à Dieu de parler à sa maman. Oui, dans la prière. Dans la prière. Ce n'est pas... Et la première partie même, c'est la décision même de la fille. Oui.
mais pas d'une manière orgueilleuse. Non. Parce que c'est toujours un parent, hein, qu'il soit chrétien ou non, pas, le respect. Oui, c'est pas d'une manière orgueilleuse, non. Ou bien, par exemple, j'ai choisi d'épouser un homme de ce village, de cette région. Voilà que mes parents disent non, pas question. Et puis je dis pas question, c'est lui que j'aime. C'est lui. Et puis j'ai eu la confirmation que c'est lui. Donc c'est lui ou rien. C'est ça. C'est dans l'église que tu as trouvé ça. Alors que tes parents ne sont pas dans l'église. C'est catégoriquement non chez tes parents. Mais toi, avec Dieu, ce que, avec la prière, la volonté de Dieu hier, tu ne veux pas tout à l'heure courir, c'est ça, il faut la classer. Eux là, classe là, ils ne vont pas venir à mon mariage. Ils ne vont pas prendre mes dotes. Tout ça là, c'est fini. Je vais aller chercher un frère dans l'église. Non, c'est pas ça. Ils ont aussi leur bénédiction dans votre vie. Oui. Ils ont leur mot à dire dans ton mariage là. Oui. Donc, c'est à toi d'aller vers Christ avec des jeûnes et des prières. Je connais un jeune. On était des promotions, mais il est fils d'un pasteur. Sa maman a dit, hein, ce n'était pas quelqu'un de ça avec moi-même, il a dit. Il a dit, hein, sa maman a dit, si tu ne maries pas une fille de chez nous, là, la fille là, tu ne vas pas l'épouser aujourd'hui ni demain. Mmh. C'est comme ça, ça a commencé en Afrique. Le jeune homme a quitté pour l'Allemagne. Et quand il était de retour, il m'a dit, ce n'était pas facile, mais si c'est 10 ans que sa maman va accepter, il va rester jusqu'à 10 ans. Le mariage a été célébré en Allemagne. Sa maman même. Et c'est ici le gars est revenu célébrer et on a amené la fille. La maman même a été en Allemagne pour voir la femme et la fille est en train d'accoucher maintenant des chauds, jolis garçons, des beaux, jolis garçons. Vous voyez. Donc, ce n'est pas course de vitesse ou bien je veux de force. Et c'est avec ça qu'on fait et que nos parents qui ne sont pas encore chrétiens ils disent que nous sommes des impolis. Oui. Les chrétiens deviennent des impolis, des orgueilleux. Ils ne respectent plus la tradition. Ce n'est pas ça. On va les faire asseoir, les expliquer des choses. Oui. Que voilà, je ne suis plus de ce monde. J'ai déjà quitté. J'ai signé un accord avec Christ. Voilà la lumière de la parole de Dieu. C'est ce que je vais faire. Oui. Et aller dans la brousse. Aller dans les veillées de prière, plus jusqu'à ce que Dieu intervienne. Oui. C'est ce que je... Alors, nous retirons que c'est par la prière uniquement. Ce n'est pas parce qu'on a le sang chaud qu'on doit bouillonner, on doit crier, on doit dire non, on est adulte, mais c'est uniquement par la prière. La prière et les... Comment dire? Les discussions. Le dialogue. La communication. Expliquer des choses posément. Tu vas aujourd'hui, maman dit, l'eau ne passe pas. Si je suis vivant là, c'est sur ma tombe. Ça ne fait rien. Tu pars. Tu vas aller prier. Elles ont dit ça après. Avec Dieu, ça a été possible. Et la famille vit en bas. Moi, je connais des exemples. La maman dit catégoriquement, pas question. Mais après, elle a accepté. Les enfants sont là. Le mariage a été fait. Et une vie de tranquillité. Oui. C'est pas comme, quand tu fais ça, tu auras une malédiction de ta famille. Et d'autres l'ont fait. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, la femme n'a pas donné d'enfant. Maintenant, ils sont en train de dire, c'est parce que ma mère a dit ça. C'est ça. Alors qu'il faut aller posément. C'est ça. Oui. Et le temps, Dieu lui-même va les toucher et les choses vont changer. Amen. Merci beaucoup, M. Oui. Palais. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça avant d'aller à la prochaine question? Effectivement, j'ai un mot à dire. À l'entente de l'émission, j'ai dit que l'obéissance, ce n'est pas dans la bouche. Mm-hmm. C'est un acte, c'est un comportement. Comme elle a su le dire, avant qu'un papa ou bien une maman ne t'impose certaines choses, ça veut dire que toi-même, ta vie chrétienne là, est douteuse. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas vraiment ta situation. Tu es dans quelle catégorie? Tu mélanges tout. C'est pourquoi ils ont tendance, bon, si c'est comme ça, ils te donnent ceci, tu vas consommer tout. Donc, mes frères et sœurs, nous sommes jeunes, nous sommes chrétiens. Soyons des vrais chrétiens. Soyons des vrais chrétiens, obéissants, respectueux et honorons nos parents, peu importe ce qu'ils nous disent. Mais peu importe leur religion, mais faisons leur comprendre les valeurs qui nous incarnent.
dans l'humilité, dans le respect, et cela nous amènera loin, et nous vivrons heureux, et nous aurons une longue vie. Alors, amen. Merci, merci madame. Est-ce que la désobéissance est un péché? Eh, ma soeur, il ne faut pas dire, c'est un péché. Directement. Non, je n'ai pas encore fini. Je ne sais pas si vous êtes d'accord que c'est un péché. Je suis totalement d'accord que c'est un péché. C'est ça. Madame, vous dites-nous pourquoi? C'est ça qui nous compte depuis le jardin d'Éden jusqu'au jour d'aujourd'hui. Si ce n'est pas Jésus-Christ qui est venu nous sauver là, nous allons aujourd'hui tous être condamnés. C'est la désobéissance de Adam et Ève qui nous amène ici aujourd'hui. Donc la désobéissance, c'est péché. Tout à l'heure, et Samuel disait à Salomon dans 1 Samuel 15, 22 à 24. Lisez si vous avez. 1 Samuel 15, 22 à 24. Et on va lire. Ok, 22 à 24. Combien 22 tout court pour. Ok, tu peux lire. Oui. Ok, le 15e et le 22e verset dit : Samuel dit : L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. C'est ça. 23. Car la désobéissance est d'aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. C'est ça même. Et les téraphins, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. 24. C'est bon. Amen. Merci, amen. Donc, si nous quittons là-bas, oui. Dans Genèse 3, à partir du verset 16, en allant jusqu'à la fin, vous allez voir ce que la désobéissance a apporté. Je ne veux pas toucher pour le moment de conséquences. Je sais que les conséquences sont là. J'ai une longue liste pour les conséquences. C'est du péché. C'est à cause de la désobéissance que l'homme s'est séparé de Dieu. L'homme a quitté le plan de Dieu, carrément. Et c'est Jésus-Christ que nous allons remercier nous tous ce soir. Oui, c'est lui qui est venu plaider notre cause auprès de Dieu. C'est ça. Sinon, là où nous irons là, on ne verra même pas, peut-être aujourd'hui là, je ne sais pas ce que planète Terre sera. Va devenir. Oui. Donc, j'ai dit ici que c'est plus que le péché même. C'est grave que le péché. Si le mot existe ainsi, donc la désobéissance, c'est le péché. Nous n'allons pas rentrer dans les conséquences. Quand les conséquences seront là, nous allons encore dire plus. Alors, nous allons aller directement. Quelles sont les conséquences? Ah, ok. Merci beaucoup. Avant de toucher les conséquences un à un, je vais donner l'histoire de Salomon et son fils, de David, Salomon et Roboam. Oui. Vous savez que quand David quittait le trône, c'est Salomon qu'on a confié. Et dans Deutéronome 28, à partir du premier verset seulement, c'est la loi de l'obéissance est déjà là. C'est et c'est pour tout Israël, sans exception. David avait répété ça pour son fils Salomon. Mais à quelques années après sa mort, Salomon est tombé avec l'idolâtrie. Ce n'est pas encore fini. Son fils Roboam est venu. Et quand les vieux sont venus lui donner conseil d'obéir à ça pour qu'il y ait la paix à Israël, le jeune dit, non, 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 vous êtes tous vieux là. Moi, je suis encore de sang, comme aujourd'hui. J'ai été diplômé, je connais, j'ai fait Europe, j'ai fait Amérique, j'ai fait tout le monde entier. Je suis doyen dans tout ça là. Voilà mes collègues. Et mes amis de même génération, on se comprend avec TikTok et WhatsApp. Nous sommes mieux que vous. Allez-vous là-bas. Les conséquences. Les 12 tribus d'Israël ont été divisées. Et Roboam a pris seulement 2. On a remis les 10 autres à Jéroboam, qui était un serviteur de Salomon. Et l'histoire et les problèmes ont commencé en Israël jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce que dans les deux tribus, c'est Juda et Benjamin. C'est là-bas que le temple a été construit. Tous ceux qui sont de Jéroboam doivent quitter les 12 tribus pour aller adorer là-bas. Et le problème a commencé. Jéroboam n'était pas d'accord. Il a construit à Bethel et c'est l'idolâtrie
pour stopper ceux qui marchent vers Judas et Benjamin. Voilà le problème d'Israël qui est d'actualité aujourd'hui à cause de la désobéissance. Oui. Donc, la colère de Dieu est sur toi, quoi. Oui, quand tu désobéis. Et la colère, si tu es un enfant, la colère de tes parents sont sur toi. Tu ne seras pas aimé. Un enfant d'aller à l'école, on a payé tout. Il faut apprendre. Tu viens, tu n'apprends pas. Tu prends tout toc, tu prends WhatsApp toute la nuit. Quand les parents disent, voilà, la rentrée prochaine, tu as échoué. Donc, reprends et tu dis non. Moi, je vais changer l'établissement. Ce sont les professeurs qui sont méchants. Tu vois, la colère de tes parents, il ne peut jamais t'aimer. Dieu ne peut pas nous aimer si nous sommes désobéissants. Si un enfant est désobéissant à ses parents, à ses tuteurs, il ne sera pas aimé. Et il y aura la perte de la grâce, de la faveur de Dieu. Oui. C'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Et on a dit même les chérubins sont là en train de garder. On dit, avec les épées, sortez. Et les malédictions ont commencé. À partir de Genèse 3, 16, vous allez lire toutes les malédictions jusqu'à nous aujourd'hui. Les femmes, avant d'accoucher, tout ce que nous avons. Et c'est depuis le temps de Ève, mais ça n'a jamais changé. Hein. Oui, c'est la désobéissance. Les hommes vont souffrir. Regarde comment les hommes souffrent aujourd'hui avant qu'on ne trouve à manger à la maison. Quotidien. C'est ça. C'est ça qui nous entraîne jusqu'à aujourd'hui. Il y a la perte de toutes les faveurs. Et le pont entre toi et Dieu sera brisé. Quand tes parents t'aiment d'une manière et tu es toujours désobéissant, ne fume pas, tu fumes. Ne fais pas la prostitution, c'est ce que tu fais. Ne fais pas compagnie avec ceux qui sont de mauvaise vie, c'est ça. Tu finiras par sortir dans le cœur de tes parents. Ils seront fatigués. Oui, si vous êtes nombreux, ils vont souhaiter faire deux catégories d'enfants dans la maison. Ceux qui sont obéissants, on va prendre soin d'eux. Et toi qui n'es pas obéissant, on va te laisser. C'est là-bas que tu dis, ils ne m'aiment pas, ils aiment ceux-là. Ils aiment toujours. C'est ça. C'est la conséquence d'une vie de désobéissance. Toi-même, tu seras, l'avenir sera incertain pour toi. Parce que tu ne sais pas sur quel pied danser. Tu ne sais pas là où je vais aller ici ou venir là. Oh oh. L'avenir sera incertain. Puisque celui qui te donne, te dirige, il connaît bien plus que toi. Il sait quand même. Dieu, lui, on est aujourd'hui le 19. Mais avant minuit, Dieu lui connaît tout ce qui va arriver au Togo. Oui. Dans 2000, pour ne pas parler de 2025, c'est encore loin. Celui qui connaît l'avenir te dit, mets ton pied ici. Fais ceci, ne fais pas ceci. Tu lui dis, merde, je n'en ai pas besoin, tu vas souffrir à mort. Mm-hmm. Donc je dis, toutes les difficultés de ce monde, ça va s'abattre sur toi. Manque de paix, la déstabilisation. Toi-même, tu vas t'efforcer dans la vie, mais tu ne peux pas y arriver. Parce que ceux qui vont te soutenir, là, tu les as laissés. Tu ne veux pas leur conseil. C'est ce qui est arrivé à Jéroboam, à Roboam. Tu les as laissés. Tu veux aller pour toi-même. Là, il ne faut pas mettre les pieds, c'est là-bas que tu veux. Donc, tu ne vas pas réussir dans la vie. Et la malédiction générationnelle, si on peut le dire, toi-même, tes enfants, tes arrière-arrière-arrière, toutes vont marcher dans les mêmes malédictions et la mort physique et puis la mort éternelle. Voilà ce que je là où par je suis. Par rapport aux malédictions générationnelles, je me rappelle que c'était au collège, oui. Et notre professeur nous a réuni une histoire. Il a dit que dans un quartier, il y avait un jeune homme qui tapait son papa. Mm-hmm. Oh, chaque fois. Et puis un jour, moins de querelle, moins de mes attentes, il tape son papa. Et puis un jour, il a encore commencé. Puis les gens sont venus, oh, c'est quoi ton problème même? Et les gens ne commençaient pas à gronder l'enfant. Mm-hmm. Et puis le papa commençait à pleurer, il dit, laissez-le. Tout ça là, c'est moi. Uh-huh. C'est quoi comme je faisais pareil pour mon papa. Uh-huh. Mon papa m'a dit, toi aussi tu grandis, uh-huh, tu auras un enfant et tu vas voir. Donc ce que le garçon est en train de faire aujourd'hui, c'est lui-même qui l'a causé. Donc il faut faire attention. C'est ça. Alors nous n'allons pas terminer cette émission sans parler des avantages de l'obéissance. Ouais. Monsieur Palais.
Merci beaucoup. Parlant des avantages, je vais citer... Les avantages ou bien les bénédictions qui découlent... Qui découlent de l'obéissance. Et le livre de Proverbes, chapitre 13, oui. Le verset 1 dit « Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. » Et le verset 20 du Proverbes, chapitre 19, dit « Écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Mm-hmm. Amen. Amen. Même quand nous avons pris le chapitre 6 du livre d'Éphésiens, le verset 3, c'était clair. Qu'est-ce qu'on a encore de plus bon d'être heureux dans la vie? Et de vivre longtemps. Et de vivre longtemps. C'est les meilleures qualités. Et c'est ce que nous souhaitons à tout le monde. Le bonheur. Hein? Le bonheur à tout le monde. Donc mes frères et sœurs qui nous suivent actuellement, il n'y a plus quelque chose d'être heureux et que tu vives longtemps. Donc ce qui peut nous procurer cela, c'est l'obéissance. Soyons respectueux. Soumettons-nous. Ça a un prix. Sinon, la plupart de nos jeunes, aujourd'hui quand je vois... certains jeunes dans la rue. Il y a certains qui sont rentrés dans la délinquance, pas parce qu'ils ne pouvaient pas faire la vie, hein, mais c'est suite à ce qu'ils ont fait à leurs parents, ou bien les conseils que leurs parents leur ont prodigués, ils ont refusé de les mettre en pratique, et aujourd'hui, ils ont choisi de faire la vie. Tes parents te refusent, les mauvaises compagnies là, je t'interdis, ne fais pas. Mais le jeune dit non, que non, vous êtes du temps passé. Aujourd'hui, nous sommes civilisés. Non. De quelle civilisation avons-nous aujourd'hui? Des débravations, des bonnes mœurs. Aujourd'hui, vraiment, ça fait pleurer la société. Donc, restons obéissants et que nous soyons heureux et que nous vivions longtemps sur la terre. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs. Oui, vous voyez, et la jeunesse pense que quand... on est civilisé, on n'a plus besoin des parents. Ou bien quand on est diplômé, quand on est beau, on est belle, on a les moyens, on n'a plus besoin des parents. C'est fou. Et comment dire, les innovations technologiques ne nous empêchent pas d'obéir à nos parents. Il n'y a pas un diplôme de bac que tu vas on a écrit dessus. Faut pas obéir après bac là. Faut pas obéir après BTS trois niveaux. Oui, on a dit enfant. Donc je suis plus enfant, je ne dois plus obéir. Non, c'est pas ça. Et donc je conseillerais aux jeunes d'être toujours soumis. Il y a une bénédiction dans la soumission aux ordres des parents. Il y a plein de bénédictions. Quand je prends l'exemple de Abraham, par exemple, quand Dieu lui a demandé de quitter le pays et le pays de son père et d'aller dans un autre pays où il ne connaît même pas la terre ni l'endroit, Abraham a obéi. Voilà le nom d'Abraham aujourd'hui. Voilà toutes les promesses de bénédiction que Dieu a déversées sur Abraham jusqu'à nos jours d'aujourd'hui. Et je ne sais pas comment dire. C'est pour le bonheur des jeunes, ou bien de l'enfant même, qu'on lui demande d'être obéissant. Donc, Éphésiens le confie. Pour que demain, l'avenir meilleur puisse être ton partage. Donc, je vais dire aux jeunes de ne pas rejeter, même si tes parents ne sont pas des gens nantis, ils ne sont rien du tout, ils n'ont pas été à l'école, ils n'ont pas d'argent. Tu connais des gens qui ont de l'argent, tu les visites, mais à la maison, écoute tes parents, c'est une bénédiction, c'est une porte qui sera ouverte demain pour toi. C'est ce que je veux dire. Alors, merci. Monsieur Palais, vous avez quelque chose à dire? Et je vais ajouter quelque chose par rapport à ce qu'elle vient de dire. Oui. Et je vais attirer l'attention de mes frères et sœurs qui nous suivent actuellement. Et on n'a pas besoin d'avoir une richesse matérielle comme ça.
car nous savons que la plus belle richesse qu'un père ou bien qu'une mère puisse léguer à son enfant, c'est l'éducation. Mmh. La bonne éducation fera de toi un homme riche demain. Mmh. Merci beaucoup. Alors, arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à Madame Ekwe, merci à Monsieur Talekoku. Je vous en prie. Alors, le thème qui nous a réunis aujourd'hui, c'est obéir aux parents selon le Seigneur, que comprendre. Et nous avons compris que quand on parle d'enfants, Éphésiens dit enfants, obéissez à vos parents. Or, la Bible ne se limite pas seulement à la tranche d'âge de 0 à 17 ans, mais quand on parle d'enfants, on parle de toute personne qui a un parent. Oui. On parle aussi des jeunes. Alors nous nous exhortons à obéir aux parents selon le Seigneur. Et ce verset aussi lance un appel aux parents de savoir comment éduquer leurs enfants. Parce que la meilleure éducation, c'est celle qui se fait sur la base de la Bible, de la parole de Dieu. J'espère que vous avez été bénis. Nous vous disons à la prochaine. Bye bye.